Alors là, je suis juste sur les rives du lac de Constance. Donc c'est la partie assez étroite puisque c'est là-bas que le lac se termine. Et en face, là, c'est la Suisse, où je vais passer tout à l'heure. Pour longer la rive sud du lac. Alors là, je suis en train de franchir la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Donc la frontière est juste là. Avec le panneau de l'Allemagne. On voit pas trop avec le soleil. Et le panneau de la Suisse qui est là. Donc je vais rester aujourd'hui et puis demain en Suisse. Et demain je ferai même une petite incursion en Autriche avant de repartir en Allemagne. Alors là je suis arrivée à Stein am Rhein en Suisse. Donc il y a plein de petites maisons colorées partout. Plein de monde et plein de vélos. Donc après, à la sortie de la ville, je vais traverser le Rhin et je vais passer sur la rive sud du lac de Constance. Voilà, je suis au bord du Rhin à Stein am Rhein. Donc là, c'est encore le Rhin. Et petit à petit, là, c'est le début du lac de Constance. Alors là, je suis à Steckborn. Je viens de manger. Par contre, le ciel est en train de tourner à l'orage. Alors là, je viens de grimper sur une colline, donc c'était assez raide. Je suis au milieu des vignobles. Et là, on voit toute la première partie du lac de Constance, en fait, tout ce qui est à l'ouest de Constance. Avec le lac, en fait, qui se divise en deux bras. Donc on voit bien les deux bras, là, sur la gauche. Et puis, tout en bas, là où c'est urbanisé, c'est une petite île qui est au milieu du lac. Je suis arrivé à Constance. Merci.
suis toujours en plein centre de Constance, donc c'est noir de monde, il y a des vélos partout. Alors dans les grandes villes allemandes, il y a vraiment des vélos partout. Ça, c'est le parking à vélo. Je suis dans le port de Constance. Alors, normalement, la grande statue ici devant tourne sur elle-même. Aujourd'hui, elle a pas l'air de bouger. Ça, c'est les ferries qui permettent de traverser le lac de part en part. Je profite un peu du lac tant qu'on est au bord là, parce que la route en fait passe plutôt près d'une voie ferrée. Et on voit pas trop le lac. On voit plutôt des champs, des maisons et la voie ferrée. Alors tout au fond là-bas, c'est l'Allemagne. Et vraiment tout au fond là-bas où on voit quelques montagnes, c'est l'Autriche. Je suis arrivé au camping à Arbonne. Alors bien sûr, comme tout camping suisse, on est hyper entassé. Encore, comme je suis arrivé vers la fin, je suis à un emplacement où il n'y a pas grand monde. Mais sinon, les gens sont vraiment piqués contre piqués. Puis le temps commence à devenir assez menaçant. De mon côté, je vais essayer d'aller me baigner un petit peu dans le lac, si j'en ai le temps. Il est juste là. Et je commence à entendre des coups de tonnerre.